J'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te retrouve tout spécialement pour une vidéo toute spéciale. Une pléonase. Je vais parler de quelque chose dont je n'ai encore jamais parlé sur ma chaîne. J'ai envie vraiment de vous faire découvrir si vous ne connaissez pas encore. En tout cas de vous sensibiliser. On va aborder un sujet beaucoup plus sérieux. D'habitude on reste dans le divertissement, dans la rigolade, etc. Mais là je voulais vraiment vous parler de quelque chose qui me touche plus particulièrement. Donc écoutez, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et je vais tout vous expliquer. C'est parti. Ok, je viens vous parler de Solidaire, donc si vous ne connaissez pas, cette vidéo est faite pour vous parce que je vais vous faire découvrir ça. Tout ça est en rapport avec la maladie du cancer, donc vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'elle nous parle de ça maintenant. Voilà, c'est vraiment pas comment y prendre dans cette vidéo, c'est un peu fouillis, je suis désolée, il y a des informations par-ci par-là, mais j'espère que vous comprenez un petit peu près ce que je dis. Quoi qu'il en soit, je voulais vous sensibiliser à cette cause, donc là aujourd'hui je vous parle plus spécialement de Solidaire. C'est une association, on va dire, qui œuvre en fait pour récolter des cheveux pour faire des perruques pour les malades. Et en fait tout ce mouvement là est basé uniquement sur le don personnel de ses cheveux, du coup personnel, c'est totalement logique. Ça me semble important et c'est quelque chose qui est pas hyper hyper connu, mais c'est un truc qui prend absolument zéro minute de votre temps sur votre journée. Par contre vous risquez de changer de coupe de cheveux si vous voulez participer à ça. Voilà, ça doit être des cheveux naturels qui vont ensuite servir à faire des perruques donc pour les malades. Et c'est quelque chose d'hyper simple parce que vous pouvez soit le faire chez vous, de toute façon je vous mettrai le lien du site de Solidaire dans la barre d'infos. Mais surtout vous pouvez le faire tout simplement chez le coiffeur, si jamais vous avez envie d'un changement radical chez le coiffeur, de couper à mort, et ben pensez à ça. Demandez à votre coiffeur s'il est partenaire de Solidaire, si ce n'est pas le cas, vous pouvez lui demander de le couper selon la réglementation pour pouvoir ensuite vous-même faire un don parce que vous pouvez vous-même envoyer vos cheveux. Il s'agit d'un don de 25 cm minimum, parce que moi quand je me suis coupé les cheveux, vous savez, j'avais les cheveux de type jusqu'ici en fait. J'ai voulu faire don de mes cheveux. Le truc c'est que j'étais tellement stressée en arrivant chez le coiffeur que du coup j'ai totalement oublié de demander est-ce que vous faites partie de Solidaire, est-ce que je peux vous pouvez couper de sorte à ce que je puisse envoyer mes cheveux s'il vous plaît. Du coup j'étais totalement dégoûtée parce que je n'y ai pas pensé sur le moment, et c'est juste après j'ai vu tous les cheveux par terre, je me suis dit merde. Tout ça pour dire que ça ne vous coûte absolument rien, vous en faites une bonne action, vous allez aider des gens vraiment. Je vous parle aussi de ça parce que ma tante est coiffeuse, donc elle fait partie de Solidaire si je me trompe pas. Et elle m'en avait parlé à Noël et moi je lui ai dit mais oui j'y ai pensé, mais du coup j'ai pas fait parce que sur le moment j'y ai plus pensé, et voilà. Du coup j'en profite maintenant pour vous en parler à vous. Parce qu'il faut savoir que la sécu sur une perruque rembourse que 125 €. Autant vous dire qu'une perruque ça peut aller donc de 125 € pour de la très bof bof qualité quoi, jusqu'à quelques milliers d'euros. Et je sais que par expérience personnelle, souvent pour avoir un minimum de qualité on va dire, ça tourne en fait très facilement autour des 600 €. Donc je sais vraiment pas si vous vous rendez compte, mais une perruque est vraiment très très chère et ça peut vraiment parfois rendre le sourire à des gens. Donc si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est vraiment parce que je parle d'une expérience qui m'est très personnelle et que vraiment je trouvais ça important de vous en parler. Et quand le challenge du ruban rose se ressera d'actualité, je vous en reparlerai également. De toutes les causes, c'est la cause qui me touche le plus personnellement, et je trouve que c'est important aussi que moi, Charline, petite lycéenne, petite youtubeuse, je représente un petit peu la jeunesse des fois à travers mes vidéos. J'ai un public jeune, donc de mon âge à peu près, et le truc c'est qu'en fait les jeunes on n'y accorde pas assez d'importance franchement, et parce qu'on ne nous en parle pas en fait tout simplement, ou parce qu'on zappe. Donc j'espère en tout cas que vous n'aurez pas zappé cette vidéo parce que ça me semble vraiment important. Maintenant si vous n'avez pas le cran de vous couper 20-25 cm de cheveux, que je peux totalement comprendre, n'hésitez pas surtout à montrer cette vidéo à vos proches ou tout simplement à parler de Solidaire à vos proches. J'aimerais faire une vidéo très même sérieuse sur la maladie vécue par les proches. Je sais vraiment pas si ça en intéresserait quelques-uns, si ça vous parlerait ou pas, mais moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse à tant soit peu, si ça vous touche, ou alors si tout simplement vous n'en avez rien à carrer, ce que je peux tout à fait comprendre. On n'est pas forcément sur YouTube pour se prendre la tête avec des sujets comme ça, mais je pense que c'est quand même important d'en parler. Sur ce, n'oubliez pas Solidaire, je vous mets le lien du site en barre d'infos, tous les détails du site en barre d'infos, tout est disponible là dessous je vous invite également à partager cette vidéo parce que plus ce sera vu et plus ce sera vu, plus on sensibilisera les gens, plus il y aura d'actions menées pour ce genre de cause là. Je ne sais pas si ça aura été très long, si ça aurait été très clair, mais en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous. Tu vas donner vos cheveux. Mouah, gros bisous.